La vérité sort toujours de la bouche des Oh là oh là, arrête Michel, qu'est-ce que tu fais? Ça c'est alors s'il y a un intro. Non non, on a plus de Vandiane Barthès quand on a. Hello tout le monde, c'est BDF et laissez-moi vous poser une simple question. Est-ce que vous êtes prêts à entendre la vérité sortir de la bouche des enfants? Je le suis. Eh ben c'est parti. Yo, salut à toutes et à tous, c'est Check Dacro, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo aujourd'hui, c'est moi qui suis chargé de vous concocter, en même temps on est sur ma chaîne donc c'est moi qui vais vous concocter, bref, on est avec Rachel. Salut. Voilà pour un épisode de La Vérité sort de la bouche des enfants, un peu spécial parce qu'il est fait sur le fil, il est fait sur la précipitation et sur l'urgence, tout simplement. Pourquoi? Bah tout simplement parce que demain c'est la rentrée, hein, première raison, du coup bah on n'aura pas forcément de temps libre pour faire des trucs, et puis bah comme vous l'avez vu d'ailleurs c'est le sujet, hein, voilà. Alors oui, bah oui, t'aurais pu faire un peu plus original, hein, surtout toi mais tout, bah non, tu vraiment pas à casser le cul là. Bon, le concept est déjà assez original pour avoir des sujets comme ceci, donc voilà, on va parler de la rentrée, puis si ça te plaît pas tant pis. De toute façon, pourquoi deuxième raison je le fais en urgence cette vidéo? Tout simplement pour remercier monsieur V2F, el barroco, el unico, el mejor commentator des CDJ, après moi bien sûr sur Code QG. voilà pour sa petite intro qu'il nous a fait. Tout ça, d'où ça vient tout simplement, c'est pas moi qui lui a demandé en message privé, etc. C'est, il a fait un projet, le mec il est malade, il est taré dans sa tête, il est pas possible. Il a fait un projet pour ses 100 000 abonnés, nous demandant, nous demandant de lui demander tout simplement. c'est très bizarre, hein. Nous demandant de lui demander de faire un message audio, carrément. Dans ce qu'on voulait, on pouvait lui faire dire ce qu'on voulait. Donc voilà, bah, je lui ai demandé la petite intro pour la série La Vérité sort de la bouche des enfants. Au moins, on a V2F qui nous présente à chaque fois. Voilà. C'est un truc de ouf quand même. Bah oui, hein. Ça te fait plaisir? Bah oui. T'es contente que V2F nous présente comme ça? Bah oui. Bon, bah moi aussi ça me fait plaisir. Merci, LV2FOS, pour cette intro. Sur ce, bah on va enchaîner sur le sujet quand même maintenant. Mais t'as parlé espagnol là? Ah si, el calamar, ma que bueno, en la paella, ma que bueno. El calamar, manana, manana, el calamar. El calamar es el rey de la ciudad. El calamar es el rey de la ciudad, siempre alerta y buscando quien picará. Cuidado con las tentaculas del calamar. Pas le sujet, ouais, on s'en branle du sujet, il est pourri, il a rentré l'école. Oh, allez, prenez-nous des vacances là, on s'en fout. Bon, la rentrée, est-ce que t'es content de rentrer demain à l'école? Oui. Le premier jour, il n'y a jamais rien à faire alors. Ah, bah ça, c'est sûr. Mais bon, c'est déjà revoir les bancs, revoir les chaises, revoir les stylos, revoir les cahiers. Déjà, ça fait un choc émotionnel. Ouais, bon, retrouver les tables, c'est pas très. Splendide quoi, c'est pas très. Ah, mais elle me traumatise les tables. Elle me traumatise ces tables. Mais non. Oh, quand je rentre dans l'école, que je vois les tables, oh, mais je tombe. Mais elles sont géniales ces tables. En plus, on peut les salir quand on fait des feutres. Vas-y, on les salit comme ça, les femmes de ménage elles arrivent, elles nettoient tout. Hop. Bon, et puis après, qu'est-ce que tu vas retrouver? Une maîtresse. Ah. Ou un maître. Ou un maître. Un maître, genre. De combien de mètres? 2 mètres? 3 mètres? Tu l'étires? Ah bah, on ne les tire pas, mais par contre, je ne sais pas quelle taille il fera, hein. Ouais. Ton mètre, pour mesurer? Ah mais non, mais on a t'avais même pas compris le jeu de mots. Bah si, j'avais très bien compris, mais c'était pour te contredire carrément, hein. Tellement il était pourri, hein. Bah oui, jamais pourri, mes jeux de mots. C'est très pourri, hein. Et donc, tu vas retrouver maître ou maîtresse qui va te faire travailler? Oui, ça bosse, 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 coco, écrase-toi et mets ton orgueil au porte-manteau. C'était le freestyle, tu vas retrouver tes copines et tes copains aussi. Je te ferai dire que mes copines, j'ai déjà vu tout le. Enfin, pratiquement tout le monde à la Ducasse. Donc, c'est pas un exploit de les retrouver. Ils vont me faire un gros oui, câlin là, quand je vais arriver dans l'école. Tu vas être avec eux 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Non, pas 7 jours sur 7, heureusement. Tu vas à l'école le mercredi matin? Bah oui, hein. Qu'est-ce que t'en penses de l'école le mercredi matin? Je préférais quand même la maternelle, hein, pour le mercredi. Pas du tout d'école. Par contre, on a sport le mercredi. Bah moi, j'avais pas école le mercredi matin. Quand? Bah quand j'étais dans ta classe. Oh bon? Ouais. Mais par contre, j'avais le samedi matin pendant 2 ans, je crois. Ah. Okay. Ah ouais, ça c'était chiant. Ah, oh, on avait pas le week-end complet, là. Ah oh, non, 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 non. Ah, le week-end, tu pouvais faire une croix dessus.
Fallait te lever, matin de bonne heure, le samedi. Truc de ouf, trop malade. Ah bah moi, heureusement que... Parce que moi, le samedi, je fais poney, donc j'aurais été à l'école avec une tenue de poney. Allez hop, Fuganza partout. En avant, Fuganza, Fuganza. Mais là, tu es en train de délirer complètement, là. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur la rentrée ou sur l'école, plus particulièrement? T'as peur de retrouver un travail plus difficile que l'année dernière? Non, vraiment pas, là, là, là. Tout est facile. Ah oui, bah tu verras quand tu vas arriver... Où est-ce que je suis? Avec tous les bisdules indigestes en mathématiques et en physique qui te donnent. Les bisdules? Ouais, tu verras, rigole. Essaye un peu d'applaudir quand tu n'auras plus de main. J'en profite tant que je les ai encore. Bah moi je rentre en terminale, dernière année de lycée. Et ensuite, c'est la prépa. Ah si! Ah bah génial, comme ça tu vas rentrer dans ma classe, je vais te faire travailler comme un fou. Pourquoi je vais rentrer dans ta classe? Ah bah oui, je vais te faire travailler moi. Pourquoi je vais rentrer dans ta classe? Ah bah oui, je vais te faire travailler. Pourquoi je vais rentrer dans ta classe? Parce que je serai ton maître. Et oui, tu m'obéiras. Tu vis dans des autres dimensions toi des fois, non? Tu m'obéiras au doigt et à l'œil. Oui, bien sûr. Au doigt et deux fois, trois fois, cinq fois. Sur ce... J'ai rien d'autre à dire, t'as d'autres autre à dire, au moins qu'on finisse la vidéo. Ah non, on la finit pas, attends, ça fait 2 secondes qu'on... Non, ça fait déjà 7 minutes. Oh, bah, c'est pas grave, on va faire 12 minutes. Non, je veux que ça soit court. Bah tant pis, non, c'est pas court. Eh oh, c'est pas toi qui te tapes l'upload et le montage. Je m'en fous du upload et montage, moi. Moi, je veux faire le dessin. Eh, toi, tu crois que t'es sur ta chaîne, toi? Tu crois que les gens, ils sont là pour toi? Bah oui, carrément, bah oui. Dites-lui que vous êtes là pour moi, hein. Lui. Bon, il est complètement... ça va, je te laisse le mot de passe et tout, tu t'occupes de la chaîne. Il est complètement... Alors on arrête les idées à chier, on arrête, voilà, elle prend ma place de leader dans la rage, sur Code QG, c'est elle qui va commenter, c'est tout. Ah oh voilà. Bah non, je fais mes adieux à YouTube, ma sœur prend le relais. C'est trop compliqué. Allez, ça. Allez, arrête, qu'est-ce que t'as d'autre à dire sur la rentrée? Un taille-crayon. Quoi, un taille-crayon? On va retrouver le plaisir de tailler nos crayons. Oh bah c'est magnifique, ça. Mais... rien ne peut remplacer ce plaisir. Quand on taille son crayon, il y en a des petits malins, ils taillent. Et du coup, après, bah, ils lèvent le doigt pour aller vider à la poubelle. Au lieu de travailler, c'est des petits malins, ça, hein? Ouais, c'est comme ceux qui disent qu'ils ont envie d'aller aux toilettes, alors qu'ils n'ont même pas envie. Ça, c'est fini, hein. C'était le coup d'avant, là. Ah, ça y est, ils sont pas dupes, les profs. Ils se font plus avoir. Ah bah oui, hein. Bon, bah sur ce, c'était Jake Dacro. Et Rachel, pour la vérité, sort de la bouche des enfants sur la rentrée. Ouais. Voilà. La rentrée. Bientôt. Oui, demain. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, un bon appétit. Et je vous dis à très bientôt. Allez, à plus les gens. Allez, à plus les gens. C'était Rachel. Bye.